Et j'ai pu mesurer, sur de nombreux plans, et en particulier sur celui de l'accompagnement économique et social des conséquences de la crise sanitaire, combien la France était aux avant-postes conformément aux décisions du président de la République. La longueur de la crise ici en Guyane accroît effectivement ses conséquences. Le ministre Le Cornu restera demain avec vous et auprès des acteurs socio-économiques de l'île en particulier. À son retour, après vous avoir entendu, après cette entretenue, comme je vais le faire moi-même avec les élus, il me dira s'il convient en tout ou partie de renforcer ces dispositifs d'accompagnement.